Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, ce n'est pas le simple journaliste qui s'exprime, mais le citoyen du monde épris de générosité et d'amour. La générosité que William Bever, dans son ouvrage intitulé « La confession de Massoud », semble définir comme étant, eh bien, un geste sans limite que l'âme du monde ressent. À chaque instant, dans son ouvrage intitulé « Un long chemin vers la liberté », Nelson Mandela parlait de la misère, la miséricorde et la générosité recherchées au plus profond de chacun d'entre nous. Le programme s'installe désormais sur LTM Télévision. Il s'agit de La main sur le cœur, un programme qui désormais se propose de vous offrir sur un plateau des pathologies, mais également susciter votre contribution à travers des cas sociaux qui seront traités. Pour conduire ce programme, je ne serai pas seul. Jocelyne Nina est avec moi. Bonsoir. Bonsoir Yves Sandjo. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puisque vous parlez de contribution, on vous rappelle donc que vous êtes sur LTM et que nous allons vous donner la possibilité de prouver encore une fois ce soir que vous avez la main sur le cœur. La main sur le cœur, une émission forcément qui pourra donner, on l'espère en tout cas, à l'issue de cette édition, cette toute première édition, redonner le sourire à notre invité principal. Effectivement, nous ne sommes pas que deux ce soir. Nous avons également Martha Ako que nous allons saluer avec beaucoup de plaisir. Martha. Good evening, Yves Sandjo. Alors Martha Ako, avec vous également, on va présenter la trilogie des présentateurs qui vont assurer ce programme. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints dans le cadre de ce programme. Martha Ako qui va nous retrouver dans une poussière de secondes. Le temps pour vous, madame, monsieur, de vous installer confortablement et de suivre cette courte ponctuation musicale. Et l'on revient dans ce studio pour La main sur le cœur. Chom sing wa da yo te fa te je le fa te jipine bene kam te wa we bene kam te ba bum ka bene kam te wa li we chong ge kya mo na mi la bo wo o ki so de ta je zu ye mo ne si ma we si mo ye si mo That's okay, she would do. Yeah, my lady.
notre phare de Dieu, le phare de Dupine. Bonne cam de Wawe, bonne cam de Babumka, bonne cam de Wali. Rechang de Kuya Mounoumi la Bawa. Pour qui sort de ta tue, ne si ma wem si mou, yé si moué, la toke ji wote wou. Yam si mou, ou pa kouane genou an awa, nom fe pou ke ne fe tole, ou ji pa jap nom se mou. Yam si mou, ou pa kouane genou an awa, nom fe pou ke ne fe mole, ou ji pa jap nom se mou. Après donc cette courte ponctuation musicale qui campe désormais le décor de ce programme, là, monsieur Lecoeur, les contours du programme vous sont déclinés par Jocelyne Nina. Alors nous allons très simplement rappeler qu'il va s'agir d'un véritable marathon tout au long de ces 90 minutes que nous allons passer ensemble. Nous avons donc notre invité ce soir. On rappelle qu'il a tout perdu en l'espace de quelques temps. Notre invité, hein, celui qui est donc notre intervenant principal, en plus de toutes les personnes qui ont donc accepté d'être présents ce soir et surtout de participer à leur manière pour donner quelques éclaircissements sur cette tumeur mandibulaire. Je pense pour toutes les personnes qui ont donc eu l'occasion de regarder le teaser qui est passé en boucle pendant pratiquement deux semaines sur les antennes de LTM. Nous recevons donc Anselme Tchumassou. Tchumasson, voilà, qui est sur ce plateau, prêt à partager avec nous cette grande douleur, ce malheur qu'il traîne avec lui depuis plusieurs années déjà, et qui a entraîné d'ailleurs, on va dire hein, tout de suite, puisqu'on a juste à côté de lui, sa fille, qui a entraîné l'arrêt
catégorique, définitive, on ne va pas dire de cette manière, parce que tout va dépendre également de la suite de cette émission, l'arrêt donc de la scolarité de ces enfants et pas mal de choses malheureuses qui ont donc entraîné, qui ont suivi cette maladie. Nous aurons donc au cours de cette émission la possibilité de recevoir vos différents dons, vos différentes participations à travers des numéros de téléphone qui vont apparaître au bas de l'écran. Pour toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin touchées par cette histoire, c'est un petit peu la plus grosse importance, hein, je vais dire, de cette émission. Le pourquoi, le but, l'objectif même de la main sur le cœur, c'est également de partager cette douleur, de l'inviter entre nous, entre tous les Camerounais et toutes les personnes qui nous regardent un petit peu partout dans le monde. Tout au long de l'émission, il aura donc l'occasion de nous parler des débuts de la maladie, de comment il a eu à traverser cette difficile période. Et nous allons également évoquer les différentes possibilités de sortie de ce malheur qui ne pourront se réaliser concrètement que grâce à vous, Yves Sandjo. Vous l'aviez d'ailleurs indiqué donc, brièvement d'ailleurs, et brillamment annoncé. Pour ajouter simplement une plus-value à ce qui vient d'être dit, il faudrait dire qu'au sein de cette famille aujourd'hui, c'est la grosse inquiétude. Il faudrait dire qu'en l'espace de seulement 6 mois, tout a basculé au sein de la famille Djema Son. Il faudrait rappeler que la principale personne qui fait l'objet d'ailleurs de ce programme spécial a un problème de santé, une pathologie qui pour certains l'entraînait inexorablement vers un décès, mais l'on peut indiquer simplement qu'aujourd'hui, son pronostic vital n'est véritablement pas engagé. Un mal qu'il a traîné pendant pratiquement 6 mois et qui finalement a eu raison de ses activités, puisqu'il est planteur de son état. Il ne peut naturellement plus vaguer à ses multiples occupations champêtres et la conséquence se paye lourd au sein de sa famille, puisque sa fille, d'ailleurs, elle témoignera dans le cadre de ce programme La Main sur le Cœur, est aujourd'hui incapable de poursuivre ses études après une réussite brillante pour la classe de terminale. Mais pour en parler largement également, elle vous l'a indiqué de fort belle manière, ce programme également a pour objectif de susciter auprès de nos téléspectateurs cette volonté, cette générosité, cet élan de cœur qui permet et qui permettra à cette famille de retrouver le sourire. Mais avant cela, avec ta permission, l'on va certainement découvrir de fond en comble l'identité du patient qu'on reçoit dans le cadre de ce programme. Anselme Djema Son, qui va certainement récupérer son micro juste à côté. Anselme, qui est donc avec nous dans ce studio et qui a effectué le déplacement depuis la ville de Nkonsamba. Anselme, bonsoir et merci d'avoir fait le déplacement pour LTM Télévision. Bonsoir. Alors, il articule tout naturellement, difficilement. Anselme, avec vous, tout naturellement, l'on va débuter ce programme avec une déclinaison de l'identité du patient que nous avons dans le cadre de ce programme. Anselme Djema Son, si j'avais une question à vous poser, une question à l'oreille de notre échange, qui est Anselme Djema Son? Comment est-ce qu'on peut déterminer la personnalité que vous êtes aujourd'hui? Qui êtes-vous exactement? D'où venez-vous? Aujourd'hui, je suis dans l'enfer. Je suis que dans l'enfer, sous ma maladie. Je ne dors pas dans la nuit comme au jour. Alors Anselme, je vous rassure, hein, on parlera largement de ce problème qui est la préoccupation majeure et phare de ce programme, mais j'aimerais qu'on s'arrête très rapidement sur la personne que vous êtes. Où est-ce que vous êtes né, Anselme? Je suis né à Bakounou. Je suis né à Bakounou. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun, pour être précis, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans la région de l'Ouest, sur l'arrondissement de Bakou. Est-ce que Anselme a des parents encore vivants, des proches, des cousins, des frères? J'ai des cousins. Mes parents sont morts. Je fais ça en forêt. Aujourd'hui, au sein de la famille, vous êtes combien? De ta famille? Oui.
J'ai ma propre famille, comme mes enfants que je vous le dis là. L'accordement de généralité. Quelle est la principale activité? Je l'ai peut-être introduite trop rapidement, mais quelle est votre principale activité, Anselme? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, comme je suis cultivateur, je défends de la plantation avant de faire élever mes enfants à l'école. Anselme est-il marié? Oui. Est-ce que vous êtes marié et vous avez combien d'enfants à votre actif? Je suis père de 6 enfants vivants. Alors, je rappelle simplement aux téléspectateurs que dans le cadre de ce programme, évidemment, LTM s'est voulu, comme d'habitude, proche eh bien, des téléspectateurs et vous offrir le meilleur de l'information, nous imposait tout naturellement de descendre dans le biotope de notre invité pour éventuellement recueillir sa misère et tout naturellement sa souffrance avec ce mal qu'il traîne depuis voilà un peu plus de 6 mois. Anselme, on vous a découvert en Consamba, pour être plus précis. Des sources proches nous ont rappelé que vous avez une demeure à l'ouest du pays et que c'est certainement ce mal qui vous a amené du côté de Consamba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous retrouvez en Consamba? Tous les dossiers, je suis en fréquentant encore. Ça fait déjà plus de 2 ans. Et c'est mon beau. Et mon beau venait d'être mort. En janvier 2013 aussi. Après l'entraînement de mon beau là, j'ai commencé à voir parce que tu m'as dit que mes parents comme ça. C'est ça que je peux vous dire encore. Je suis caché mon beau. Dans la belle. Quand j'ai souffert tellement à Bafa, ma soeur de part et d'autre, allait à Bingo. Plus de 2 fois. Alors, il fallait scanner à Bafta. De part et d'autre, je peux vous dire que comment. Bon, et tout cela, je n'ai pas eu de bons résultats. Alors, pour être plus précis hein, sur ce qui est décliné par l'invité ce soir, il faudrait rappeler qu'Anselme Diemasson est donc originaire de Bafan. Pour être plus précis, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Et pour des raisons de santé évidentes, vous l'avez d'ailleurs aperçu dans ce programme, eh bien, il a dû faire le déplacement pour la ville de Consamba dans le département du Mungo, région du littoral. Il est donc marié, évidemment, père de 6 enfants, l'a-t-il d'ailleurs appelé. Les raisons de sa présence en Consamba, c'est donc cette maladie qu'il a pratiquement installée sur le grabat. 2 de ses enfants l'ont suivi dans ce périple du côté de Consamba. Et ses enfants, l'une d'elles est d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Et d'ailleurs, l'on va permettre à Jocelyne Nila de l'introduire. Oui, bien sûr. C'est très important de rappeler aux téléspectateurs que loin de là, et c'est un petit peu toute la particularité de ce malheur, c'est que voilà une maladie qui réussit à entraîner, à bouleverser, chambouler complètement le cours de plusieurs vies. Il ne s'agit pas seulement d'Anselme, mais de toute sa famille et tous ses proches, toute une vie qui a été complètement bouleversée, notamment celle de ses enfants. Et l'une d'elles qui est donc sur ce plateau pour nous raconter en direct, pour que vous puissiez toucher véritablement du doigt cette réalité, cette difficulté, toutes les difficultés qu'elle a pu traverser. Elle se prénomme Marie Bernadette. On lui souhaite la bienvenue. Bonsoir Marie Bernadette. Bonsoir madame, merci. Alors, la maladie de papa a eu de grosses conséquences, au-delà de sa souffrance personnelle, a eu de grosses conséquences sur votre vie d'enfant. Oui, depuis la mort de mon grand-père, mon père, sa maladie a commencé petit, c'était un petit bouton. Après quelques temps, il est parti au village. Dès qu'il m'a appelé, il m'a fait comprendre qu'il est à Bafan pour l'opération. Une personne, ma grand-sœur lui a conduit chez une personne, on l'a opéré. Dès qu'on a opéré, il est encore entré du village.
ça a encore recommencé. Il a encore rentré à Bafang. On l'a amené maintenant à, on l'a amené à l'hôpital de Bank à Bafang. Le docteur nous a demandé de donner une somme de 400 000 francs et il n'y avait pas de moyens. Il est encore rentré à la maison. La famille a un peu cotisé. Les gens disaient tout que c'est Bingo qui peut, l'hôpital de Bingo Bamenda qui peut soigner cette maladie. Il est quitté de Subafan avec ma mère, aller à l'hôpital de Bingo. Le docteur les a demandé de donner une somme de 450 000 francs. Après, il n'y avait pas tout l'argent. Ils sont encore rentrés sur Bafang. Ma mère, ils sont encore rentrés sur Bafang. Le docteur de Bafang lui a demandé d'aller faire le scanner à Bafang. Ils sont allés faire le scanner et rentrer. Au fur et à mesure, maintenant que la famille cotisait un peu d'argent, ils sont encore retrouvés à Bingo Bamenda. On les a demandé de... Ils sont arrivés là-bas, le docteur les a demandé de... que ça ne pouvait plus le laisser. C'était il y a tellement gros qu'il ne pouvait plus. Donc, il nous a maintenant demandé de donner... Il va seulement donner le calmant. Il a prescrit le calmant de 120 000 par mois. Dès que ça finit, on revient encore chercher le calmant. Mon père n'avait plus d'argent. Il est rentré sur Bafang. Alors, Bernadette, je ne vais pas t'interrompre, hein, simplement pour apporter quelques indications à toutes fins utiles, à l'endroit de nos téléspectateurs. On l'a indiqué, c'est un programme qui se veut interactif avec, pour démarche, tout naturellement, de collecter les fonds pour permettre à ce monsieur de recouvrer immédiatement et très rapidement, tout naturellement, la santé. La réalisation nous permet d'avoir ces indications téléphoniques qui vous permettent de réagir, si vous le souhaitez, en direct, tout naturellement, et d'apporter vos différentes contributions. Les contacts téléphoniques sont le 73 09 07 23, 99 23 26 02. Vous aviez également le 33 60 04 44, code d'accès par lequel vous pouvez intervenir dans le cadre de la main sur le cœur, apporter vos contributions pécuniaires pour permettre tout naturellement à ce monsieur, j'ai nommé Thierry Masson, de pouvoir très rapidement subir l'opération qui le permettra de recouvrer la santé. Simplement également indiquer, ça également c'est très important, c'est que ce programme est placé sous la coupole de la justice et tout naturellement l'on va avoir, grâce au truchement de la responsable des programmes, le nom de l'huissier de justice qui couvre ce programme et qui lui donne tout le stature légal. Voilà, maître Dinshoot Alice, intérimaire donc, huissier de justice intérimaire. Tous les détails vous seront donnés tout au long de l'émission. Déjà, nous allons retrouver le premier élément de l'émission qui vous permet et qui vous met directement et concrètement en phase avec cette réalité. Sur le terrain, comment vivent-ils face à cette, ce drame social, on peut le dire de cette manière, une impuissance caractérisée face à une tumeur. On rappelle donc aux téléspectateurs que le terme technique qui, pour qualifier donc la maladie d'Anselme Thiemasson, est tumeur mandibulaire. Tout de suite, un reportage signé Armel Nga. C'est à 10 minutes à moto et à une trentaine de minutes à pied, sur un chemin sinueux, parchemé de pierres, en très mauvais état et accidenté, que réside provisoirement Anselme Thiemasson. Il est hébergé dans cette case en planche, construite sur quelques mètres carrés seulement, située au quartier 3e, à proximité du carrefour Bonsoir, en Consamba 2e. Il s'y est réfugié après être parti de son domicile, situé dans la ville de Bafang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Anselme Thiemasson est âgé aujourd'hui de 62 ans et souffre d'un cas de maladie pas très courant, la tumeur mandibulaire. C'est 6 mois plus tôt que commence le calvaire de ce sexagénaire. C'était une petite bosse ici. Bon, il a demandé à une infirmière. L'infirmière a dit que c'est le filet. C'est que le fantasme là-bas. Il prenait le médecin. Chaque fois qu'il venait le médecin, quand on partageait le médecin à la maison comme ça, c'était juste lui qui faisait pour nous.
Et puis aussi ça, chez les gens, les gens qui vendent les remèdes là. Ça n'allait pas toujours. Ça gonflait toujours. Il est parti à Bafan. Il y a un infirmier qui a opéré ça. Il a raté. Ça n'a pas donné. Donc il a opéré ça, on est parti à la maison. Après ça vient garder toujours. On me dit aussi, je dis aussi comme quand tu as la blessure, quand ça finit, ça gratte. Ça montait en toujours. Ça montait toujours. Nous sommes encore rentrés sur Bafan. On est parti à Banka. Banka nous a dit d'aller à Bafoustan faire le scanner. Nous sommes partis faire ça, parce qu'ils nous ont demandé, nous sommes les 400 000 francs, on n'avait pas d'argent. Donc on est resté comme ça, ils payaient seulement les remèdes au poteau. En même temps, on s'est défendu, on a un peu d'argent, on est parti à Bingo. Bingo a dit que l'argent est petit, qu'on a perdu 500 000. Nous sommes encore là, nous sommes rentrés. Et ils disaient toujours les remèdes, les marabouts aussi, ils disaient qu'ils vont faire comme ça. On se débattait de tout pas égaux. C'est une fois-ci, j'ai encore eu de l'argent. Je suis passé encore à Bingo. Bingo a dit que ça lui a été dépassé, qu'il ne peut plus faire ça. Finalement, le manque d'argent a eu raison de Anselme, qui voit sa tumeur grandir encore plus chaque jour. La famille ne sait plus à quel sens se vouer. Le désespoir l'ayant conduit tour à tour chez les médecins de la rue, dans les centres de santé et même chez les marabouts. Aujourd'hui, la famille a perdu tout espoir et Anselme souffre encore plus. Il n'a rien à prendre. Il est là comme ça. Il mange seulement. C'est seulement la bouillie que je lui donne. Il prend ça seulement à peine. Ce planteur et sa famille ont dû abandonner leur activité nourricière et vivent aujourd'hui au crochet d'un frère de son épouse. Et par la grâce de Dieu. C'est seulement Dieu qui nous aide. Je ne sais pas comment je vais élever les enfants là. C'est seulement le bon Dieu qui nourrit les oiseaux, qui nous nourrit aussi. Chétive, fragile, son épouse est au bord des larmes à chaque fois que le sujet est évoqué ou qu'elle pose les yeux sur son époux. Notre équipe allait rencontrer la famille, a eu connaissance des radios, scanners, carnets du malade, mais aussi des factures en attente. Père de deux enfants, Marie-Bernadette, élève en classe de terminale, âgée de 20 ans, et son jeune frère, Denis Kameni, âgé de 16 ans en classe de 3e, ont dû arrêter l'école, faute de moyens. La famille vit dans cette précarité totale, au milieu de tout ce bazar, et n'a que ses yeux pour regarder son chef de famille souffrir et mourir à petit feu. Voilà, c'était l'élément, une signature d'Amel Ungar qui s'est rendue dans le biotope de l'invité ce soir, Anselme Tiemazan, pour vivre avec lui une journée avec ce malade-là. Vous avez donc pu observer par vous-même toutes les difficultés rencontrées par cette famille depuis la maladie de M. Tiemazan. Dans ce studio, on a omis peut-être à dessein de présenter deux de nos invités. La première, tout naturellement, permettez que je l'introduise. Il s'agit de la troisième présentatrice, en l'occurrence, Martha Ako. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Merci Yves Sanjo. Thank you for being there today. We are not coming here to make you sad. We're presenting a very special case to you. We want to call on all of you to place your hands on your heart and support this person here. His name is Anselme Tiemazan, and he has been suffering with this mandibular tumor for over 6 months, and for 6 months the mass has just been growing. And we are going to give you the opportunity to send in your support, to send in all those gifts to support this family, because this ailment is not only disturbing him, it's going right far to the family. The children are not able to go to school. And here on this set, we have the Littoral Regional Delegate of Social Affairs, Mr. Jean-Pierre Edjoa, who is going to be throwing more light on this, the effects that it has. And we're going to be bringing to you a report on how health centers do approach or manage cases like this ones. We are going to also call or talk to a medical doctor who is also going to be giving us details with regards to this case. So just be there. We have numbers beneath your screen so you can call and send in your contributions, send in your support, give him some words of advice because he needs that. I think right now we're going to take another report, Yves Sanjo, on
Non, the situation. Avant, si vous le permettez, Martha, à coup d'introduire le prochain élément, permettez que l'on présente, vous l'aviez d'ailleurs fait, mais je le fais en langue de Molière, l'invité également avec lequel nous partagerons une bonne partie de cette émission, là, Monsieur Le Cœur, c'est Jean-Pierre Rizzoa. Il est le délégué régional du ministère des Affaires sociales pour la région du littoral. Bonsoir, Monsieur le délégué, merci d'avoir accepté notre invitation, et ce, malgré vos multiples occupations. Merci Ifsanjo, merci à toute l'équipe de LTM. C'est vrai que les occupations ne permettent pas toujours d'être présent lorsque nous sommes sollicités, mais je dois dire que c'est toujours un honneur et un plaisir, peut-être davantage une satisfaction d'avoir à échanger sur des préoccupations sociales qui, me semble-t-il, devraient amener chacun d'entre nous, non seulement à manifester son élan de solidarité, mais également à ériger des digues pour que certaines situations que nous vivons, que nos concitoyens vivent aujourd'hui, ne se produisent pas de la même manière ou alors n'atteignent pas certains seuils. Alors, monsieur le délégué, c'est tout naturel que vous soyez là, puisque l'on parle d'un cas social qui pourrait tout naturellement impliquer davantage le ministère des Affaires sociales, vous qui représentez la tutelle dans la région du littoral. C'est un problème de santé dans lequel vous sentez votre département ministériel impliqué? Absolument, absolument. Vous avez suivi Ansem lui-même, vous avez suivi la jeune fille, vous avez suivi tout à l'heure dans l'élément qui vient de passer, l'épouse. En réalité, vous vous rendez compte que c'est un problème de santé publique, mais qui a des ramifications sociales énormes. En réalité, c'est un problème social, mais dont peut-être une des satisfactions sera le côté médical, dont nous nous sentons réellement impliqués. Vous avez compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en réalité, on a commencé à négliger un bouton, on a commencé à vouloir utiliser nos moyens traditionnels ou alors nos moyens de bord, comme on dit vulgairement, pour régler ce problème. La famille s'est mobilisée, vous avez suivi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on disait qu'il faut aller à gauche, ils allaient à gauche, ils allaient de Bafan, ils sont allés à Mbingo, après on leur a dit d'aller à gauche. Donc, en réalité, c'est un problème social. Et vous l'avez si bien introduit, je crois, vous ou bien Nina, c'est à la limite, il faut craindre la dislocation familiale, parce que lorsqu'il faut enlever les enfants de l'école pour qu'ils prennent en charge les personnes malades, ça devient plus préoccupant. Et je crois on aura l'occasion de revenir sur ce point tout au long de l'émission. C'est ça aussi le nœud du problème. Le problème social cesse d'être un problème d'un individu, c'est un problème d'un système. Et lorsqu'on résout un problème ou lorsqu'on voudrait mettre en place des mécanismes de prévention, il faut regarder le système, bien entendu, en focalisant l'attention sur l'individu qui aura déclenché l'intervention. Alors, monsieur j'ai une question, juste si vous permettez, Yves Sanjo. Une question pour le délégué. J'aimerais savoir si ce type de cas est pris en charge par votre institution. Oui. Et c'est, comment ? C'est pris en charge, mais il faudrait que je me fasse comprendre. Notre institution n'est pas médicale. Donc, nous sommes interpellé parce qu'il s'agit avant tout d'un cas social. Et ce cas social mérite d'être accompagné, il mérite d'être guidé, il mérite d'être orienté, il mérite d'être soutenu dans les différentes démarches qu'il aura engagées. Donc effectivement, notre département ministériel, ministère des Affaires sociales, est fortement interpellé. Il devrait être aux côtés d'un cas comme celui-là, parce qu'il y a même des portes qui restent, par naïveté ou alors par réalité sociale infranchissable. Il y a cette peur-là de cet inconnu. Et je crois que c'est là où nous devons réellement intervenir. Et de l'autre côté aussi, lorsqu'il va falloir, par exemple, administrer des soins, j'aurai l'occasion de revenir, les travailleurs sociaux qui sont dans des formations sanitaires, leur rôle, c'est aussi accompagner sur le plan social, psychologique et jouer dans l'intermédiation auprès de la direction des différents hôpitaux afin que ce malade, qui est un cas social, peut-être pas puisse bénéficier de la gratuité, mais puisse être réellement pris en charge indépendamment de sa condition sociale. Tout à fait, parce que nous rappelons aux téléspectateurs que Marie Bernadette, qui est donc la fille d'Ansem, a dû abandonner ses études. Et nous avons pratiquement une famille qui s'est déportée de son lieu d'habitation naturel, habituel pendant que notre cher Ansem était encore en bonne santé, pour vivre désormais dans une autre famille, notamment la belle famille, ce qui entraîne, vous pouvez imaginer, toutes les difficultés sociales possibles. Alors,
éventuellement l'une des... I have this one question, Yves Sanjo. I would like to know from the Mr. Delegate, what is it that your department is doing precisely to bring it or bring smiles to the faces of this family, not only the sick person, but also members of the family, because we know that right now an entire family is destabilized. So what is it that you put in place to make sure that they are well catered for, especially the children? What I have to say is that unfortunately we cannot be everywhere to discover this kind of situations. But when we are informed, the first thing is to see who is behind. That is the daughter, the wife is behind, and maybe the other children. How can we put in place a system in order naturally to go with the one who is just presenting a problem and not contribute to, you know, to destroy the family? That's the problem. And when we are informed, the first thing, as I've said, is to stay with the family, to discuss with the family, and to know who can be involved directly, who can be involved in order, you know, to permit to the one in situation to, you know, to find a better solution, and avoiding, you know, this kind of solution. How can you imagine that this young girl, you know, maybe the mother is a little bit old or sick because of Shiha talking there. But how can we imagine that she has been obliged to abandon school? The future of this will look like what? That's the problem. And I think that what we will do, because it's not a problem of what we are used to do, but what we'll do is just to discuss with some, to exchange with the family, and I am sure we'll find other solution than the one asking to this young girl leaving school. The lot of cases that the person is abandoned to himself and have nobody to cater for him. At this particular moment, we have to use, you know, all the tools of the system, because the system has a lot of tools. It means that even in the hospital, there is some, you know, mechanism which would permit to those who are not, you know, who are alone, to benefit from the environment, from the system, this affective social and psychosocial support in order to let him going, feeling that he's a member of the society and he will just find quickly the solution before the problem. Voilà, merci beaucoup. On rappelle bien sûr qu'on reviendra tout au long de l'émission avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention sur des interventions du délégué qui est donc notre invité ce soir. On vous rappelle que si nous sommes là en face de vous pendant ces 90 minutes pratiquement, voire plus, selon l'élan, le degré de générosité que vous allez pouvoir manifester à travers les numéros de téléphone, vos différentes participations qui ne vont pas tarder à s'afficher au bas de l'écran. On vous rappelle donc, chers téléspectateurs, que ce cas n'est pas seulement le cas d'Anselme, encore moins celui de sa famille, que nous avons décidé sur LTM de mettre la main sur le cœur et de vous amener à mettre la main sur le cœur pour réagir et tenter d'aider cette famille totalement démunie qui essaie de sortir de la pénombre. Ceci est un premier pas, c'est un bon début, mais il serait encore plus important si, à l'issue de cette émission, nous pouvions tous repartir sachant que nous avons apporté un petit plus à cette famille en ce début d'année 2014. Donc, vous appelez, c'est pour faire des dons. Vous pouvez appeler, vous donner votre nom, vous vous identifiez. Le principe est vraiment simple. Vous n'avez aucune obligation. Vous donnez ce que vous avez, un 5 000, un 10 000, un 1 000 francs, un 100 francs. Un 100 000, pourquoi pas? Un 100 000, un million, why not? Mais vous avez raison, Yves Sanjo, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça peut démarrer par cela. Et une chose est sûre, c'est que votre participation, votre motivation, la main sur votre cœur, c'est ce qui va être plus fort dans cette émission, parce qu'on aura beau expliquer, on rappelle bien sûr qu'on aura les interventions de médecins également au cours de l'émission pour revenir en détail sur ce mal, pour vous permettre de mieux comprendre. Anselme n'est pas un cas isolé, donc vous avez peut-être des personnes autour de vous qui en souffrent. C'est important de savoir que cela va au-delà, et c'est bien que nous ayons le délégué sur ce plateau, Yves, ça va au-delà parfois de l'idée qu'on se fait du malade. Vous avez beaucoup, nous sommes dans la culture africaine et nous savons tous ce que tout cela peut impliquer. On se retrouve à un certain moment, Yves, avec une personne un petit peu abandonnée à elle-même parce qu'accusée de 1 million de mots, X ou Y, qui n'ont parfois rien à voir avec la réalité. Avec ta permission, je voudrais dire quelque chose en des mots simples.
Je vais le redire à nos téléspectateurs. Anselme, qui est notre invité, le cas social que nous traitons dans le cadre de ce programme, souffre d'une tumeur sous-mandibulaire. Vous allez me demander certainement ce que cela veut dire. Je vous renverrai tout à l'heure aux explications des médecins que l'on aura en direct dans ce programme. Mais c'est une tumeur, et pour ceux qui savent ce que c'est une tumeur, l'on tout naturellement pense éventuellement à un cancer. Mais c'est un mal qui est traitable d'après les explications qui nous ont été données par des médecins spécialistes du domaine. La seule et unique façon de le faire, cependant, c'est tout naturellement une opération. Une opération qui nécessite beaucoup d'argent pour qu'Anselme Thiemazon puisse recouvrer immédiatement la santé. C'est d'ailleurs le but de la démarche qui nous vaut cette présence sur ce plateau, la main sur le cœur. Vous amener à comprendre déjà que votre geste, votre générosité est très attendue pour que Anselme Thiemazon puisse recouvrer très rapidement la santé, puisse effectuer eh bien, cette opération, puisqu'il est, Yves l'a dit dans ce programme, il est planteur, il a abandonné pratiquement ses champs depuis qu'il est tombé malade, incapable de subvenir aux besoins de sa modeste famille, incapable de se loger même, incapable de se vêtir, incapable de se rendre dans un hôpital pour suivre les premiers soins. La maladie s'est amplifiée, le cas devient préoccupant, son pronostic vital n'est certes pas engagé, mais votre geste pour pourrait le permettre de retrouver très rapidement le sourire. Et avec la complicité de la réalisation, l'on va afficher les différents codes téléphoniques par lesquels vous pouvez apporter votre contribution. Ces codes téléphoniques, je vous les rappelle en attendant eh bien, que la réalisation nous les affiche. C'est le 73 09 09 07 23, le 99 23 26 02, le 33 60 04 40. Martha. And for those of you who would like to keep your identities, remember that you can still call. You can call us. Our lines are open. Call us on 9923-2602-7309-0723. Call and give your contributions. I know that some of you would prefer to keep your identities. There's no problem with that. We'll take all of your contributions. No matter the amount that you have, you can chip in. A little amount will go a long way to putting a smile on the faces of this man and his family members, those that are very disturbed at this time because he's very sick. He has gone, he has made the rounds of different hospitals just to regain his health. And now we have to go to the stage of him having a surgery, a surgery that is costly. But as we know that you all are there to support, we know that it's not very, very costly. To some of you out there, we have the means of supporting him. So send in your support, send your calls. Those of you who don't want to let out your identities, there is no problem. You can still call and give your support to Anselme Thiemazon, who is right here with us, our main guest on this very maiden edition of La Main Sur Le Cœur. I think we are going to take a report by Yves Sanjo, or rather, Bajan. Voilà, tout de suite donc, après ce propos de Martha Ako, nous allons enchaîner avec cet élément qui revient donc sur la condition, ou surtout les difficultés que traversent les personnes démunies qui doivent donc se retrouver face à des situations médicales qui demandent forcément des moyens financiers largement à la hauteur de leur capacité. Allons-nous attendre d'être pays émergents horizon 2035 comme l'on a moult fois annoncé par nos autorités afin que les gestionnaires des institutions pensent venir en aide aux 70% des Camerounais qui croupissent sous le seuil de pauvreté et qui par ricochet meurent dans nos institutions hospitalières pour manque de moyens financiers? Question de subvenir à leurs besoins, cette interrogation trouve sa réponse justement auprès d'Anselme Thiemazon, un Camerounais originaire de la région de l'Ouest. Du haut de ses 62 ans, à plus de 80 kilos, ajouté à cela le poids de la tumeur, une peau pâle, fatiguée, affaiblie par le poids de la maladie, car Anselme Thiemazon souffre jusqu'au fond de ses viscères depuis 6 mois sans même un seul radis pour se faire soigner. Les images seules témoignent à suffisance ce que les enfants et même les adultes pourront craindre, voire foncer le visage à un seul tap de l'œil ou regard. Anselme Thiemazon, à le voir, serait-il un objet à jeter dans la poubelle à ce stade avancé de la maladie? Mais que non,
c'est un être humain comme vous et moi. Motivé par l'envie de vivre, d'encadrer ses enfants, exercer toutes les fonctions de l'homme. Rêve qui est en voie d'être brisé pour absence de moyens en guise d'opération. Voilà que face à des situations horribles, cas d'Anselme Thiemasson, nos hôpitaux ne sont pas à même de prendre en charge les personnes démunies. Est-ce que le docteur veut nous faire comprendre que lorsque le montant devient important, l'hôpital régional de Consamba, l'hôpital de Consamba, a du mal justement à supporter le coût? C'est une affaire de coût ou alors c'est une affaire de coût, c'est une affaire de technicité et de plateau technique. Une affaire de technicité et de plateau technique. Le coût ici n'est pas le premier obstacle, mais c'est la gravité et c'est les rapports de la tumeur avec les organes nobles qui font réfléchir avant de s'engager sur une telle. Le problème de prise en charge des personnes dépourvues de moyens financiers, cas d'Anselme Thiemasson, se pose avec beaucoup d'acuité dans notre pays, où pour vous soigner, cela vous coûte les yeux de la tête si vous êtes issu d'une famille pauvre, pour ne pas dire misérabiliste. Et pourtant, certaines voix disent venir parfois en aide à quelques cas. Docteur, dernière question. Est-ce qu'en ce moment, donné au sein de votre hôpital, il y a des cas de patients qui ont été pris en charge, des personnes indigentes, évidemment, qui sont dans vos services actuellement? Oui, il y a plusieurs personnes qui sont prises en charge comme étant des indigents et dont les coûts sont supportés soit par l'hôpital, soit par des médecins. C'est pas grave. Et ces cas-là, c'est des cas des gens qui souffrent de quoi exactement? Des accidentés. Il y a des accidentés, il y a des tumeurs qui sont accessibles à notre plateau technique. Il y a des maladies qui ne sont pas chirurgicales aussi, que nous prenons en charge gratuitement dans le cadre de l'indigence. Il y a des maladies qui sont aidées par les communautés, par les médecins, même parfois par. Un SOS est donc lancé en vue de venir en aide à Anselme Thiemasson. En concernant ce patient, je pense qu'il a une bonne chance d'être récupéré. Et j'encourage les philanthropes, les médecins à lui venir en aide. Parce qu'il a une chance, on peut le récupérer. Merci. Ce sera difficile, mais on peut le récupérer. Merci. Peut-on laisser fondre Anselme Thiemasson à petit feu? Autrement dit, on ne jette pas un petit poussin en respirant, comme pour dire Anselme Thiemasson a aussi droit à la vie comme nous tous. Venons-le en aide, soutenons-le, il compte sur nous, car chaque jour est une vie et l'histoire retiendra. Thank you, Bajang, for that report, a very elaborative report, of course, that presents the situation in our health centers and how persons with such conditions are catered for. And we still have the Littoral Regional Delegate of Social Affairs, and we're going to ask him a question just shortly. But I want to remind you that you can send in your contributions. We're going to be having the numbers just beneath the screen, and some persons have already been calling, giving in their support, giving in their words of advice. Who knows, even a word would help them have a smile or regain that smile on their faces. They've been so depressed, they've gone to different hospitals just to help your father regain your health. And we remind you that our guest today is Thiemasson Anselme, and he's right here with his daughter. He's a 52-year-old man who has this mandibular tumor. Now, I'd like to know from the Littoral Regional Delegate of Social Affairs, are there some centers that are in place to cater for persons with such needs or persons with such conditions? Peut-être avant de permettre aux délégués de répondre à cette question de Martha Akul, on a, c'est les priorités au direct, monsieur le délégué, un otorhino-laryngologiste qui est avec nous en direct dans le cadre de cette édition, la monsieur le cœur. Docteur, bonsoir et merci de nous retrouver dans le cadre de ce programme, la monsieur le cœur. Bonsoir. Alors docteur, le cas social que nous traitons dans le cadre de ce programme aujourd'hui, c'est un patient qui souffre de tumeurs sous-mandibulaires. Alors, cela renvoie à quoi pour le commun des mortels? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Déjà, il faut expliquer, ce n'est pas une tumeur sous-mandibulaire, c'est une tumeur de la mandibule qui est heureusement bénigne, mais très délabrante et qui pose un préjudice esthétique énorme.
que la prise en charge n'est pas faite dans les conditions adéquates et avec avec une célérité, avec une grande célérité, ça peut dégénérer. Et le nom scientifique, c'est un améloblastome. Et si vous avez les photos du patient, vous verrez qu'il est défiguré, il a pratiquement un triple menton. Il faut vite agir sur le plan chirurgical et essayer de faire une reconstruction pour essayer de redonner un visage au patient et une fonction sur le plan physiologique. Alors docteur, en deuxième question, on aimerait bien savoir, et je pense que c'est très utile pour tous nos téléspectateurs, de savoir quelle pourrait être l'origine de cette tumeur. L'origine, elle reste un peu fou. Ça peut être une mauvaise hygiène bucco dentaire qui découle dans des caries et qui dégénère comme ça. Mais donner une origine fixe, il n'y en a pas. Il n'y a pas le plan de la littérature. Une tumeur qui peut survenir chez tous les patients, mais sa survenue est favorisée par un mauvais état bucco-dentaire. D'accord. Et également, puisque nous sommes absolument dans le sujet, y a-t-il une autre option, une autre possibilité, à part une opération, de soigner cette tumeur, docteur? Il n'y a aucune autre possibilité. Il faut déjà retenir que chaque fois que vous entrez chez un médecin et qu'il vous propose la chirurgie, ça reste la dernière alternative. Il y avait une alternative médicale à pas des drogues. Elle sera toujours privilégiée. Donc, si on dit chirurgie, c'est pas complaisant. C'est parce que ça reste la seule alternative. Et docteur, avec son âge, il a 52 ans, est-ce qu'il y a des risques pour faire cette opération? Est-ce que ça viendra avec des risques? Les risques, ça existe dans toute chirurgie, du moment où on va faire une anesthésie générale. Les risques seront liés déjà à l'anesthésie. Et maintenant, les risques chirurgicaux, elles sont déjà chirurgiens indépendants. Et maintenant, il y a les risques plus clés qui sont une surinfection, une hémorragie. Et je crois que c'est ça en gros. Mais maintenant, si on n'opère pas, il va mourir de cette tumeur. Donc, autant mieux aller lui donner une chance. Et forcément, docteur, vous devez avoir, on pense, hein, nous anticipons un petit peu sur la question, mais je crois qu'elle a absolument sa place, une petite idée du coût exact de cette opération. Bon, le coût, il sera plus lié à la société, à l'équipe qui le prend en charge. Et si on veut aller sur un coût moyen, il faut compter dans les 1 million à peu près. Alors, voilà un chiffre, un nombre qui devrait être assez déterminant pour ce marathon de dons organisé donc et orchestré par LTM. Mais avant de se séparer, docteur, une autre question. On aimerait bien savoir combien de spécialistes pour cette tumeur finalement assez compliquée, comme tout type de tumeur, interviendront donc pour cette chirurgie. Je n'ai pas bien suivi le début de la question, s'il vous plaît. Combien de spécialistes sont envisagés pour le traitement de cette tumeur? Déjà, en fait, en gros, il faudra, je dis trois, l'anesthésie, le chirurgien maxillofacial et peut-être le dentiste qui pourra faire une prothèse si jamais on fait une reconstruction osseuse. Si ça le permet. Maintenant, si on ne fait pas une reconstruction osseuse, même si on ne la fait pas, il faudra toujours un prothésiste pour essayer de refaire des gouttières qui pourront porter des dents artificielles, si vous me permettez l'expression. Absolument, pour lui docteur. Une fonction, si vous lui donnez une fonction sur le plan de la mastication. Voilà les trois procédés. Donc, le premier procédé, c'est l'exérèse de la tumeur avec une reconstruction, soit avec un greffon osseux, soit avec une plaque en titane qui va refaire une courbe de la mandibule pour essayer de donner un visage acceptable au patient.
Et en deuxième temps, en différé, une fois que la cicatrisation sera faite, il faudra maintenant fabriquer, je veux dire, une prothèse pour essayer de lui redonner une fonction sur le plan de la mastication. Et donc, docteur, très concrètement, à l'issue de cette opération, le sieur Anselme aura donc des chances de retrouver la pratique même de sa mâchoire. En principe, les cas qu'on a faits, tout dépend de l'évolution, comme je dis à vos collègues qui m'ont contacté. Mais il y a des fortes chances qu'il retrouve une vie normale. Raison pour laquelle, certainement, docteur, il est urgent que les téléspectateurs réagissent à ce problème. Je retiens un chiffre à l'issue de cet échange avec vous, docteur. Eh bien, le chiffre d'un million de francs CFA au minimum pour permettre à Anselme Diemasson de pouvoir subir une opération d'urgence et recouvrer son beau visage, sa famille également. Les codes de téléphonique, je vous les donne tout de suite. C'est le 73 09 07 23, 99 23 26 02, 33 60 04 40. Vous avez également, vous pourriez également effectuer votre don par Orange Money, mais également par Mobile Money, deux codes d'accès par lequel vous pouvez également apporter votre contribution à cette opération de chirurgie qui est donc imminent, qui est donc annoncé et urgent pour le cas social que nous recevons dans le cadre de la main sur le cœur. Avant de passer la parole à Martha Ako, qui a introduit tout à l'heure le délégué sur l'une des questions qui brûlait d'ailleurs nos lèvres, celui quand même de la problématique de la prise en charge des personnes indigentes au niveau du ministère des Affaires sociales. C'est un problème qui vous préoccupe? Effectivement, c'est un problème qui nous préoccupe parce que, comme je l'ai dit lors de la première intervention, il s'agit de cas sociaux et les cas sociaux ont besoin d'être accompagnés, d'être pris en charge. Maintenant, il faut comprendre notre démarche. Le ministère des Affaires sociales n'est pas un ministère qui a en son sein des médecins, des ingénieurs et autres, non. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons le travail qui est celui d'accompagnement, d'identification des différents niveaux d'intervention et ce qui peut être possible à notre niveau, c'est-à-dire l'accompagnement psychosocial, éventuellement s'il y a une assistance directe à apporter et maintenant l'orientation de la personne vers les spécialistes qui sont mieux outillés par rapport à son problème. Pour le cas d'espèce, vous comprenez que c'est un problème médical et notre rôle sera de l'accompagner en scène. C'est pour cette raison que nous disposons des services d'action sociale auprès de certains hôpitaux qui sont chargés de prendre en main, de tranquilliser, d'accompagner les malades, d'accompagner leurs familles. Je voulais même dire tout à l'heure que le docteur qui était au téléphone nous a parlé d'un million, c'était essentiellement le côté médical. Il faudrait que nos téléspectateurs comprennent que le côté médical, oui, ce sera un aspect, mais à partir de cet instant, avec déjà le problème qui s'est créé par l'abandon de l'école, c'est déjà un problème familial qu'il va falloir gérer. Donc, il y a peut-être le million pour le côté médical, mais il y a toute la prise en charge familiale et sociale jusqu'à ce qu'Anselme recouvre sa guérison. Donc, j'étais en train de dire que c'est un problème qui nous préoccupe. Je me souviens même à l'époque, j'étais jeune fonctionnaire, j'étais chef de service d'assistance médicale au ministère des Affaires sociales. En réalité, je n'étais pas médecin. Mais il était question que tous les cas de demande de prise en charge médicale soient examinés au niveau de mon service et qu'on puisse trouver avec les personnes concernées, les familles, les meilleures voies pour que les soins médicaux soient octroyés aux personnes qui souffraient de tel ou tel mal. Yes, Mr. Delegate, before getting to the point of going to medical centers, do you people have social centers where these persons are kept or catered for? Now, I talked earlier of cases where they don't have anybody to take care of them. What is done? Do we just need to leave them litter our streets or go around our streets? Where are they kept before we go to the medical point? No, we cannot leave them on the streets. The problem is that we have social centers. In Douala, for example, I have less than at least 17 social centers. Means that we have services in communities which are supposed to take care of vulnerable persons. The problem is the lack of information
from the services and from the population. It means that when somebody is facing different kind of problem, he don't have the real information, knowing that he can go to social centers and obtain maybe not the solution directly, but obtain more information, good information about what he's supposed to do. When I discussed with Anselm, and I discovered that he has lost a lot of time because he has been just sometimes oriented from some area, going there, maybe be blocked because there were some material problem there, coming back, going in another direction. So that's the problem. Social services are there to give the real information, to support those who are facing some problems. Are we going to leave them in the street? No. But do we have structure which are supposed to, to gather them, to let them sleep in somewhere? It is very difficult, to open this door, because if you open this kind of doors in a town like Douala, you cannot face all the solicitation who will come. What we are doing is try to see behind the one who is suffering, where is the family, the direct one, the second one, which can be, can contribute in the search of the solution. That's what we are doing. And physically, we are supposed to be with these people up to, the solution, which will be, for example, the oppression and going back to the family. That up to the point where he regains his health. Absolutely. So the regional delegate of social affairs is telling us that there are no centers to cater for such persons, but what they do is communicate with the family, provide the necessary communication or help that they can in their own way, that contributes their own quota towards helping persons of such situations. But we know that those of you watching us out there, you have that means, you have the possibility of sending in your help, sending your support to put a smile on the face of Anselm. Anselm, yes, true Masson, is right here with his daughter, a daughter that has been going around with him to make sure that her father regains his health. And we have just told you earlier that we had a doctor on phone and he said almost 1 million francs will be needed for surgery to help Marcel undergo an operation to be okay. But I want to tell you that apart from that 1 million CFA francs, another 8 is needed because the family is supposed to be catered for. Joe is supposed to come back to that family. Now we're going to take another break. We have another report. If Sanjo Marai, le fil conducteur Martin Arco de ce programme, c'est de susciter en vous cette générosité, de susciter en vous cette envie d'aider cette famille. Vous avez plusieurs voies d'accès pour cela. Vous avez des codes téléphoniques. Le premier, c'est le 73 09 07 23 99 23 26 02 33 60 04 40. Et vous pouvez également effectuer des transferts via Orange Money ou tout simplement via Mobile Money. Vous pouvez donc effectuer des transferts d'argent pour venir en aide à Anselm Tiemazon qui souffre donc d'une tumeur qui nécessite d'urgence une opération. Le coût de l'opération à lui seul vous a été donné de manière tout à fait prévisionnelle par le médecin tout à l'heure. Plus d'1 million de francs CFA. Y compris tout naturellement des mesures d'accompagnement qui nécessiteront également encore un effort pécunier. Mais avant de prendre la prochaine articulation, permettez que l'on échange également avec celui ou celle qui a accompagné son père dans le cadre de ce programme. Il s'agit donc de Bernadette. Bernadette, rebonsoir. On l'a indiqué à l'orée de ce programme. Vous êtes l'une des filles d'Anselm Tiemazon. Et vous aviez finalement dû abandonner les études. Je rappelle que vous êtes âgé de pratiquement 20 ans. Vous êtes en classe de terminale. Vous n'avez pas pu continuer. D'ailleurs, vous n'avez pas pu terminer le premier trimestre parce que papa est tombé gravement malade. Vos études se sont subitement arrêtées, y compris ceux de votre petit frère qui fait la classe donc de troisième. Comment cela est vécu au sein de la maison aujourd'hui? Nous sommes restés à la maison. Dernièrement, le père est venu. Dernièrement, le père est venu pour. On lui a fait venir en Consamba nous regarder pour son cas de maladie. On m'a demandé alors de comme ma mère ne se sentait pas bien.
Ma voisine a alors appelé. Bernadette, peut-être avant d'en parler, je l'indiquais, papa était le seul bras fort de la maison, puisque c'est lui qui pourvoyait à ta scolarité. Et depuis qu'il est malade, oui, tu es incapable de continuer désormais les études en classe de terminale. Tu aurais pu préparer aisément ton baccalauréat. Aujourd'hui, ce serait difficile certainement, mais pas impossible avec la générosité de nos téléspectateurs. Mais au-delà de ce problème, plusieurs dégâts collatéraux également sont observés, puisque même à manger, on a du mal à trouver dans la maison parce qu'effectivement, papa est devenu inactif du fait de sa maladie. À la maison, comment ça se passe aujourd'hui? Ah, nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce que mon père, c'est toujours lui qui prend soin de nous. Il nous fait tout. Comme il est malade maintenant, on souffre beaucoup. Il n'y a personne qui nous aide. Alors, vous êtes deux. Les quatre autres frères ou sœurs sont où exactement? Elles sont en mariage. Toutes mes grandes sœurs sont en mariage. Mmh. Je suis en Gonsamba avec mon petit frère seulement. Martha Ako. Combien de petits frères? J'ai un petit frère et une petite sœur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui nous regardent? Je voulais seulement que vous nous donniez un peu de coup d'aide à mon père et nous aussi, nous la famille. Aider donc une famille dans la détresse, aider une famille qui recherche la joie, aider une famille pratiquement au seuil d'une souffrance qu'elle n'a pas voulu, mais qui est arrivée. L'on vous sait généreux, l'on vous sait tout naturellement généreux, je l'ai indiqué donc. Et cette générosité, vous pouvez désormais eh bien, la manifester en nous appelant par les codes de téléphonie qui vont s'afficher grâce à la maestria de la réalisation. Mais également, vous pouvez désormais effectuer des transferts d'argent par Orange Money et par Mobile Money. Monsieur le délégué, on va sortir avec vous dans cette dernière phase d'échange, cette fois-là pour apprécier quand même la situation. C'est un cas qui vous a ému. Je vous sens d'ailleurs toujours encore ému par ce cas-là. Est-ce que l'on peut envisager qu'à travers votre présence, vous qui êtes le responsable du ministère des Affaires sociales dans la région du littoral, l'on puisse tout naturellement avoir un début de solution dans pour résoudre ce cas social que nous traitons dans le cadre de la main sur le cœur, première édition? Je dois, hein, si j'ai, j'allais dire, si je suis mieux placé pour le faire, je dois déjà féliciter l'équipe de LTM puisque vous avez ouvert les yeux sur un phénomène, sur un cas social qui pouvait, j'allais dire, décider peut-être au fin fond de soit en Consamba, soit dans la zone de Bafan. Donc c'est déjà un pas qui est franchi et je crois, je voudrais me joindre à votre appel pour que d'autres âmes de bonne volonté viennent se joindre à cet élan-là. Mais pour ce qui est du ministère des Affaires sociales, nous allons faire notre travail. C'est-à-dire, maintenant que nous sommes informés du cas, nous allons mettre en place un plan d'intervention. Parce que je dois dire que face à une situation comme celle-là, il y a d'abord la phase diagnostique. Probablement, le diagnostic médical sera fait, le diagnostic social sera fait. Parce que quelle est la situation sociale réelle qui se cache derrière le cas d'Anselme? Il faudrait que nous puissions mieux l'appréhender. Après, on va mettre en place un plan d'intervention et en collaboration avec les différents acteurs qui, directement ou indirectement, mériteraient d'être impliqués dans ce processus, nous allons conduire, et je reste positif et optimiste, conduire Anselme à sa guérison. Quand j'appelle l'acteur, c'est vous les médias, c'est le côté médical qui est le côté fondamental aujourd'hui et qui devrait, dans un premier temps, nous permettre d'avoir un diagnostic fiable. Parce que entre un bingo, un médecin à Bafan et autres, je suis sûr qu'on a besoin, surtout la médecine c'est très pointu, on a besoin de savoir concrètement quelle est l'ampleur du problème. Vous avez entendu le médecin dire, on ne sait pas si il va falloir remplacer le côté mâchoire qui est déjà touché. Deuxièmement, la situation sociale, il reste où, il reste avec qui, quels sont les réseaux familiaux qui existent encore, qu'on devrait mettre à contribution parce qu'il a besoin d'être entouré. Et je crois que rien que voir sa fille lui donne le sommeil parce qu'il m'a révélé en off que ça fait très mal. Donc en réalité, quand vous avez ce genre de situation, c'est le côté affectif qui vous permet de gérer au mieux ce que vous vivez. Et maintenant,
ensemble, et je le dis de façon tout à fait ferme, que les services sociaux vont se mettre à contribution, vont dérouler ce qu'ils ont comme responsabilité pour que le cas en scène puisse être réellement pris en main. Such cases come with so many psychological trauma, a very big psychological trauma. So what is it that Anselm must do in order to try to ward off some of these? He's disturbed, he's distressed. What is it that family members must do to support him, to help him be strong in this case? I cannot just give the solution directly like that. You know, normally and usually this kind of situation it has a lot of psychological influence consequences, and from Anselm himself, the family and the other members of the community, you know, some are talking of witchcraft. Nina talk about it, and some, you know, that contribute to, you know, to maintain some members of the family. Because those are some of the ideas that come to mind when we have such come cases. To mind. So some of the members of the community of the family are not in, you know, close to Anselm. We have to solve and to maintain, try to maintain that equilibrium, that family equilibrium. We have to work with children, with the wife, and now with Anselm himself. He needs a particular plan of intervention to, you know, let him continue being strong, continue accepting the situation. And now the family need to be closed, and the family, you know, frustration, lack of means, lack of, you know, psychological tools, because they don't know exactly what they have to do. We have to be with them and the entire community, because Baku, Konsamba, Bafang, Douala today, Bamenda, I don't know even. Bamenda yesterday with Vimbingo, and tomorrow I don't know which other place. So we have to try to put in place a kind of, you know, systemic approach who will just take into consideration all these elements and let Anselm go in positively through the treatment. And while we wait that Anselm gets back his health, we want to remind you that you can send your contributions via Orange Money or mobile money, or you can get to these numbers 3360-0440 or 7309-0723-9923-2602. You have the numbers beneath your screen. We're going to take another report, if Sanjoma right. Si tu le permets, avant d'introduire le prochain reportage, juste une dernière question pour terminer cette toute première partie, tout en rappelant à nos téléspectateurs que cette émission est placée sous le contrôle de la justice via un huissier de justice dont le nom vous a été largement communiqué par l'une des co-présentatrices de ce programme. Monsieur le délégué, la question que je souhaiterais vous poser très rapidement en votre qualité de psychologue, il faudrait dire que l'un des dégâts collatéraux de ce problème reste la scolarité de ces enfants qui aujourd'hui sont désormais à la rue, et puis l'incapacité de cette famille à pouvoir subvenir à ses besoins. Le regard du psychologue que vous êtes sur la question? Alors, le regard du psychologue, bon, vous êtes allé un peu vite vers l'enfant. Le regard, c'est d'abord vers Anselm. Voilà Anselm qui est complètement abattu parce qu'il vivait paisiblement dans son village, faisant ses champs probablement, vivant, j'allais dire, ses 50 ans sans grande difficulté. Maintenant, le voilà immobilisé. Donc, vous voyez déjà un être qui a besoin d'être repris à main, d'être soutenu. Deuxièmement, je laisse les enfants, mais je commence par l'épouse. Le fait qu'aujourd'hui, peut-être la maman ne se sent pas bien, et je l'ai suivie, je la regardais. Elle est perturbée. Elle est perturbée parce que, vous avez suivi Anselm, il a dit, il est parti au deuil. Et c'est de là que il a commencé à sentir le problème. Vous connaissez nos communautés. On attache tous ces éléments-là et on se met dans un paquet où vous êtes complètement embrigadé. La famille a besoin d'être libérée. De comprendre que, au-delà peut-être des considérations mystico et autres, il y a d'abord la santé, et la santé, c'est de la science. Maintenant, peut-être, après, on va voir s'ils ont la possibilité d'aller regarder. Les enfants, mais elle est prise en main, elle est en terminale, elle a un petit frère, une petite soeur. Il faut d'abord même les remonter. Vous savez, le papa, le miroir du père, c'est un miroir positif, pas un miroir de souffrance. Lorsque l'enfant vient à découvrir ou alors à s'habituer à un miroir de souffrance, c'est-à-dire que le père n'est plus le pourvoyeur, mais la personne qui
demande à être prise en main, qui manifeste de la souffrance, qui manifeste de l'incapacité, alors que l'enfant a été habitué à compter sur le père pour pouvoir se relever et avancer. Vous imaginez le trauma que ça peut occasionner. Ces enfants également ont besoin, lorsqu'on aura réellement circoncis, l'ampleur du vécu qu'ils ont, ils mériteraient d'être également pris en main. Alors, Anselme, avec vous, hein, juste une question. Est-ce que c'est plus facile pour vous aujourd'hui de vous coucher à la maison le soir avec ce problème que vous avez sur le visage? Vous dormez bien avec ça? Ça chauffe? Ça fait comment? Je ne dors pas. Je vous dis que chaque nuit, je ne dors pas. Même le jour, je ne dors pas. J'ai toujours le sommeil. Ça fait un seconde. Rapprochez le micro de votre bouche. J'ai toujours le sommeil à chaque seconde. Quand je ne peux pas dormir, quand je ne me couche pas, je reste comme ça, vraiment trois heures. Vous voyez, chers téléspectateurs, il a d'ailleurs du mal à articuler les mots. Il ne tient qu'à vous de pouvoir nous aider LTM Télévision, aider la main sur le cœur à subvenir à ce problème qui nécessite une opération d'urgence pour redonner le sourire à cette famille. Et pour cela, l'on vous sait nombreux à participer à ce programme qui sera désormais une tradition sur nos antennes à travers des codes téléphoniques. Je vous les donne très rapidement. La réalisation va nous les afficher par la suite. 73 09 07 23 99 23 26 02 33 60 04 40. Vous pouvez également effectuer des transferts d'argent pour venir en aide à Anselme Thiemazon à travers Orange Money, mais également à travers Mobile Money. Tout de suite, donc, l'on va introduire l'une des articulations à notre reportage qui, cette fois-là, nous entraîne dans les méandres de la prise en charge des personnes souffrant de tumeurs ou de cancers. C'est une signature de Rosalie Ngessler ici. Si l'on s'en tient à la définition du cancer qui se trouve être la prolifération des cellules anormalement en quantité au sein d'un tissu, l'on serait tenté de dire que le sieur Anselme Thiemazon souffre d'une tumeur cancérigène. Mais pour le corps médical spécialisé... Comme vous le voyez là, c'est une volumineuse tumeur qui a envahi tout le massif facial droit et qui, selon le scanner, a envahi les structures internes de la gorge et de la bouche. Également, selon le scanner, c'est une tumeur bénigne. C'est une tumeur qui peut être extirpée par... Une masse hétérogène latéro-cervicale droite bénigne pour le moment qui pourrait développer alors des métastases assez rapidement. Il s'avère en ce moment important de l'extirper. Une prise en charge obligatoirement chirurgicale qui nécessite alors un plateau technique approprié, un lieu malheureusement bien loin de la réalité quotidienne d'Anselme. C'est une chirurgie délicate à cause des rapports de la tumeur avec des organes nobles comme les vaisseaux. Les nerfs, la trachée et l'œsophage. C'est une chirurgie qui doit être faite dans un milieu spécialisé comme un hôpital de général de Jara par un spécialiste de maladies et professeurs. Ce matériel technique qui se trouve être la possibilité de guérison de cet homme en souffrance coûte malheureusement extrêmement cher au Cameroun. Un service spécialisé et un personnel spécialisé. On peut en trouver dans les hôpitaux généraux comme celui-là. Et s'agissant du coût, il faut d'au moins 500 euros.
Une situation bien délicate vécue par beaucoup de personnes souffrant de cancer qui jusqu'ici font face au nombre très réduit de spécialistes regroupés pour la plupart dans des zones urbaines et qui sont très souvent inaccessibles. Aujourd'hui, Anselme Thiemason est comme ces hommes-là face à son destin. Aujourd'hui, il a besoin d'une somme apparemment anodine pour beaucoup, mais qui représente une véritable inaccessibilité pour cet homme qui vit dans une précarité certaine. Somme d'argent qu'il faut urgemment réunir et même au-delà. Lorsque l'on sait qu'en plus de l'opération, il faudra des médicaments, un suivi post-opératoire et même une chirurgie plastique pour avoir une chance de retrouver une apparence normale. Aujourd'hui affublé de cette grosse tumeur, Anselme Thiemason rêve d'un visage normal. Un visage qu'il pourrait retrouver si seulement ce rêve qui est le sien devenait le nôtre. Et pour concrétiser cette pensée en acte, il suffit simplement de faire un geste, de tendre la main. Voilà, c'était un reportage, une signature de Rosaline Gessler ici qui revenait sur la prise en charge des personnes souffrant d'un cancer ou d'une tumeur. Rappelons à l'endroit de nos téléspectateurs qu'en termes de promesses de dons, nous frisons la barre des 320 000 francs CFA qui ont déjà été promis. Et pour vous donner tout le sérieux de ce programme et dans le souci du respect de la légalité en vigueur, rappelons que la main sur le cœur est un programme qui est parfaitement encadré par un huissier de justice intérimaire. Il s'agit tout naturellement de Maître Alice Ndicho, que vous pourriez avoir en téléphonant donc à travers des codes téléphoniques qu'on vous donnera très rapidement. Il s'agit donc du cabinet du siège de justice intérimaire, Maître Alice Ndicho, qui encadre et qui donne toute la plénitude légale de ce programme. Vous pouvez donc aisément et en toute quiétude continuer à apporter votre contribution à ce problème, ce cas social que nous traitons dans le cadre de cette première livraison de La Main sur le Cœur. Martha Akou. Yves Sanjo, La Main sur le Cœur, this evening we've had already pledges of 320,000 CFA francs, persons who have called and they've pledged that they're going to come to the aid of Anselme. And we want to call on you medical experts. You can send in your expertise, you can give them some words of advice, tell them what they need to do, just advise him on what he needs to do, because Anselme told me just right now that it hurts and the temperature around that area where he has that mass, it's very, very high. It's really hot compared to other parts of his body. You see that Anselme is in pains and he needs to be relieved of this pain. I want you to get it from Anselme. Anselme, please, can you just pick up your microphone? Tenez votre micro, s'il vous plaît. On aimerait savoir, est-ce que ça vous fait mal? Et comment est-ce que vous sentez? Ça chauffe après la chaussée. Ça me fait du bien et c'est doux. Ça fait baisser tout ce côté. C'est pourquoi je soutiens comme ça. Okay. Je ne dois pas en soutenir toujours comme ça. Quand je baisse beaucoup, je sens mal à la tête. Il faut que je parle toujours comme ça. Le jour. Alors continuez donc à manifester votre générosité, continuez à nous faire confiance, continue à nous apporter de l'argent, puisqu'il s'agit de cela, pour permettre à Anselme Thiemason de pouvoir subir cette opération. Et je m'adresse spécialement aux opérateurs économiques, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux dans la ville de Douala, à travers le Cameroun, l'Afrique et le reste du monde. Je pense aux 10 régions que compte notre pays, et Dieu seul sait combien d'âmes généreuses on retrouve dans ces différentes régions du pays. Je pense tout naturellement également aux spécialistes qui nous regardent et qui, à travers un conseil, à travers un geste, peuvent également nous permettre de résoudre ce cas social et de donner le sourire à une famille qui ne demande
finalement qu'à vivre. Vous pouvez le faire, continuer à le faire à travers des promesses qui ont donc déjà été enregistrées. Vous avez des codes téléphoniques qui vont s'afficher et qui permettront d'enregistrer vos promesses. Eh bien, dedans, des codes téléphoniques que je vous donne immédiatement, c'est le 73 09 07 23 99 23 26 02 33 60 04 40. Vous pouvez également effectuer des transferts via Mobile Money et Orange Money pour apporter également votre contribution à la résolution de ce problème, pour permettre à cette famille de pouvoir recouvrer le sourire, famille dépossédée de cette joie de vivre depuis qu'Anselme Thiemazon est pratiquement alité, souffrant d'une tumeur, vous l'aviez sans doute constaté à travers les échanges qu'on a effectués dans ce programme avec quelques médecins spécialistes. Alors, monsieur le délégué, tout à l'heure, le reportage qui suivait introduisait la problématique de la prise en charge de ces maladies cancérigènes et de cette tumeur, puisque nous sommes dans le cas spécifique d'une tumeur. C'est un problème de santé qui très souvent nécessite beaucoup de mobilisation financière. Effectivement, sans être médecin, c'est un problème. D'abord, c'est des problèmes très complexes. Hein. C'est des problèmes très complexes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que du diagnostic jusqu'à la prise en charge, c'est vraiment, je voulais dire, des méninges à fleur de peau, parce qu'il faudrait que les spécialistes s'y penchent réellement et qu'ils, autant que possible, qu'ils minimisent les risques d'erreur. Vous avez posé la question au docteur tout à l'heure, parce qu'en réalité, lorsqu'on s'engage dans une opération comme celle-là, on reste positif, on se dit, on met tout en œuvre pour que la réussite soit le fin mot. On ne s'attaque pas à un phénomène cancérigène comme celui-là, une tumeur, comme on s'attaquerait à, j'ai dit, mais je ne suis pas du corps, à n'importe quelle maladie. Donc il faut un certain nombre de précautions, un certain nombre de dispositions à prendre. Et vous comprenez que s'il y a ces dispositions à prendre, cela a un coût. Un coût familial, un coût social, bien entendu, un coût matériel et un coût financier. Un coût familial, vous avez vu, on a tellement parlé de ça. C'est des familles qui se retrouvent pratiquement en train d'abandonner leurs activités quotidiennes pour prendre en charge le malade pendant toute la période. Un coût social, parce que le regard social dans ce genre de problème, nous restons encore, entre guillemets, membres d'une communauté, de communautés qui coulent sous le poids d'un certain nombre de représentations. Et à défaut d'être étiqueté pour tel ou tel maléfice, on se retrouve abandonné à soi-même, une famille abandonnée qui ne va compter que sur ses propres ressources et le plus souvent qui sont maigres. Et malheureusement, alors ça a une incidence matérielle, parce que les quelques biens même que la famille aurait pourraient être vendus, parce qu'il faut sauver le cas. Le papa allait au champ. Il avait ses activités agricoles. Il les a abandonnées. Vous comprenez que le coût, c'est même au-delà de ce qu'une opération va demander. Parce qu'avoir abandonné tout ce qu'on avait comme activité qui procurait des ressources, qui permettait de résoudre les problèmes de la famille, va amener un alourdissement même de la charge. Et le plus souvent, s'il n'y a pas une réelle mobilisation, on sort de là, probablement guéri, mais si on n'est pas suffisamment accompagné, on sortira de là complètement appauvri, avec une famille complètement déchiquetée. Il y a des situations, je suis désolé de le dire, où les épouses n'arrivent même pas à supporter parce que le processus aura pris du temps et le monsieur, au terme de sa guérison, se retrouve célibataire, entre guillemets, avec des enfants, malheureusement, qui commencent à faire dans la délinquance parce qu'il n'y aura eu personne derrière. Donc, je tiens à dire qu'il est urgent que lorsque ce genre de situation se présente, qu'on prennent des dispositions le plus rapidement possible en termes d'information, en termes de prise en charge. J'insiste sur l'information parce que même quand on est pauvre, j'ai suivi tout à l'heure, là, je crois que l'ancien m'a dû donner peut-être une fois les 140 000 qu'on a demandé en bingo. Après, il n'a plus pu donner. Ces 140 000 auraient pu servir peut-être dans le processus que LTMA a ouvert. Donc, il est très important face à ce genre de situation d'engager rapidement la recherche d'informations et de voir où est-ce qu'on peut faire la prise en charge. Parce qu'après, on va se retrouver avec beaucoup de problèmes. Le système en lui-même sera ébranlé. Le système en lui-même aura besoin d'être suturé au terme de l'opération. Et merci, on aura sauvé Anselme. On aura encore beaucoup de travail pour reconstituer ce qu'on a perdu, c'est-à-dire ce groupe
cette famille, cette communauté qui vivait en harmonie. And we know that we can count on you to help Anson regain his health. He's in pain, he's in agony, because this is not a situation that brings smile to his face. His family is in distress, his children are out of school. I will recall that Anson is 52 years old and is a father of 6 children. So imagine the burden that he has. Imagine what is going on around that family. So I want to give you these numbers. Please do note them. 9923-2602-7309-0723, or you can call 3360-0440. We are right here because you are out there sending your contributions. Help to put a smile on the face of this man who is very, very distressed. On parlait donc de la prise en charge des personnes souffrant de maladies cancérigènes et le cas sur lequel nous nous sommes penchés, nous nous penchons encore. Ce soir, c'est celui d'Anselme Thiemazon qui souffre donc d'une tumeur. Le délégué régional des affaires sociales pour la région du littoral vous l'a indiqué, sans être spécialiste de la question, c'est toujours des problèmes, des pathologies qui nécessitent un important effort financier. Il faudrait rappeler que l'équipe de la main sur le cœur qui a effectué le déplacement de Nkonsamba où Anselme et sa famille ont élu provisoirement domicile depuis qu'il est atteint de ce problème de santé. L'on est allé, l'équipe évidemment de la main sur le cœur est allée à la rencontre du directeur général de l'hôpital régional de Nkonsamba et lui également nous a apporté plus de précisions pour vous montrer l'ampleur et la complexité de l'opération urgemment nécessaire pour permettre à cette famille de recouvrer le sourire. Il nous a largement indiqué qu'il ne pouvait pas effectuer cette opération parce qu'il y avait un problème de plateau technique et de technicité. L'un des hôpitaux qui pourrait recevoir Anselme, si toutes vos contributions sont tout naturellement collectées à hauteur de la somme qui est avancée, un peu plus d'un million de francs CFA, c'est l'hôpital général. Je vous laisse imaginer le coût d'une opération dans un tel hôpital et toute la mobilisation que cela va nécessiter. C'est donc la raison pour laquelle, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous vous convions une fois de plus à nous offrir à travers ce geste ultime la chance de mettre à l'abri une famille déjà désœuvrée, une famille qui connaît tous les problèmes du monde, des problèmes existentiels les plus basiques, une famille qui a du mal à joindre les deux bouts. Et pour cela, votre contribution, chers téléspectateurs, au Cameroun, en Afrique, en Europe, mais également aux États-Unis, vous pouvez les effectuer par Orange Money, mais également par Mobile Money à travers vos transferts que l'on va recevoir avec beaucoup de joie et d'allégresse. Vous pouvez également, pour ceux qui sont au Cameroun ou à l'étranger, nous joindre par des codes téléphoniques que l'on vous redonne. 73 09 07 23 99 23 26 02 33 60 04 40. Martha. All right, we will just give you back those numbers. You can reach us via these numbers. 9923-2602-7309-0723. I remember you can also send in your contributions via Orange Money or Mobile Money. Those are the different mediums via which you can send in your contributions to help Anselme. Anselme, who has this tumor for over 6 months, and it started like just a node, and it got to this stage where he cannot even get enough sleep, or he can't even sleep at all because he's in pain, he's in distress, he's tired, he's in agony, and he needs you. You watching us out there throughout Africa, all over the place, in Douala, in Yaoundé, in all the cities of Cameroon and outside Cameroon. Send your hands, touch your hearts, cross your hearts to put a smile on the face of Anselme. And we're going back to Nkonsamba, where Yves Sanjo went visiting to get facts from medical personnel, of course, that we are talking to. Of course, you can send in your medical expertise, you can send in advice. Let's take this other pause. We'll be right back. Je voudrais seulement dire que c'est très émotif quand vous le regardez. C'est un voisin et c'est un cultivateur qui s'est toujours
bien battu pour encadrer sa petite famille. Mais malheureusement, ce qui est arrivé est pour nous une catastrophe. Parce que, au-delà du fait que cette tumeur qui est très lourde à supporter, très lourde à regarder, très difficile à regarder, et difficile aussi pour lui d'avoir du sommeil, et quand nous le regardons, nous pensons, sauf miracle de Dieu, que c'est une tumeur dont si on ne fait pas attention, ça peut l'entraîner à l'au-delà. Vraiment, l'image que nous retenons de ce qui est en train de se passer est très douloureuse parce que avant cela, il y a quelques mois, il s'occupait bien de sa petite famille et de son épouse et de ses enfants. Mais ça fait très mal parce que là, vous allez voir à côté de lui sa fille qui a passé en terminale, qui a juste fait une première séquence au collège Bitokem en Consamba et qui, pour des raisons de financement, a été obligée de rester à la maison. Pourtant, c'était un enfant encouragé à cause non seulement de son âge, mais de sa volonté et de sa bonne note, ses bonnes notes à l'école. Donc vraiment, si les âmes de bonne volonté peuvent faire quelque chose pour aider ce monsieur, vraiment, je pense tout simplement que le Seigneur, comme il a toujours fait, rendra à cela au sentiment. Parce que nous savons que Dieu donne à ceux qui donnent également. Yesterday was the time of our lives, we were born. Vraiment, son mal a commencé juste un petit furon. C'est après 7 mois que cela s'est développé, comme vous-même vous le voyez là. Vraiment, ce qui peut nous préoccuper pour le moment, nous on souhaiterait que les âmes de bonne volonté, la Fondation Chantal Bia, mettent main. Parce que déjà, à notre niveau ici, là, ça nous a vraiment... Il y a le maire Wangi, il y a El Hadj Oumarou de Consamba Premier, l'honorable Paul Ndjongwe Eric Ayaoundé, les papas Wapi Evariste, les papas Simène Pierre, dont l'honorable Simène Pierre, vraiment, nous souhaitons qu'ils font tout et tout pour mettre aussi quand même main, sans compter vraiment les âmes de bonne volonté. C'est vraiment ce que nous souhaitons pour le moment. Donc, et entre-temps, nous mettons aussi trop de prières. Déjà, lui ne dort pas, sa fille aussi, elle a eu le probatoire cette année. Elle ne peut pas aller à l'école, son petit frère de même, qui était aussi pour faire le BPC. Il ne peut pas faire ce BPC. Il ne doit pas faire ce BPC toujours à cause de leur papa. Donc vraiment, nous sommes... je ne sais pas. Il ne peut pas avoir peut-être 5 francs, tout ça. Les enfants sont à côté, il manque peut-être de leur donner. Que bon, allez au moins vous procurer de telles choses et tout. Donc c'est un papa très, très, très gentil au quartier. Donc vraiment, son mal là, nous-mêmes, nous ne connaissons pas là où... À un moment, nous sommes dit que donc c'est mystique ou c'est quoi. Donc finalement, nous ne connaissons vraiment pas ce que c'est. Ça a commencé juste comme un furon. Quand ça démangeait là, il grattait et après il est parti prendre le métisant. Ça a donc donné tout ce que vous voyez là. Donc franchement, nous ne connaissons pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas si c'est le métisant qui a déclenché ou si c'est comment, nous ne connaissons pas. Jusqu'aujourd'hui, franchement, nous sommes dépassés. Nous sommes vraiment dépassés. Donc vraiment, si déjà LTM, en tout cas, tout de même que ce soit l'équipe urgence, tout ça, si on pouvait faire quand même un geste pour ce papa. Vraiment, c'est que même nous-mêmes, ça nous... Et surtout déjà qu'ici au quartier, ils ne connaissent pas que quand il y a un mal comme ça, on peut peut-être se mettre là, cotiser 500 même pour ça. Donc on n'avait pas commencé depuis le début, donc maintenant là, ce ne serait pas facile que ça se passe. Nous-mêmes, nous avons réfléchi à ça. Mais ce ne serait pas facile. Franchement. Et le papa là était là quand son beau était mort. La tumeur là était petite.
Vraiment, à notre grande surprise, il est revenu maintenant. Nous, on a trouvé que c'est évolué. On ne sait même pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Et il nous fait savoir que vraiment, il a beaucoup souffert sur ça. Dans des Married now. I can't remember how she said, I'm going to live in the moment. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend. C'est un papa que vraiment, il vient seulement de temps en temps depuis qu'il quittait en Consamba. Il est de l'autre côté là, à Bafan. Mais quand il était ici au quartier, c'était un papa qui nous a élevés. On peut dire élevés parce que chaque enfant qui passait chez lui, même s'il a les pruniers qu'il avait dans son champ, tous les enfants, tu payes comme tu veux. Il n'est pas là pour dire que comme d'autres papas disent que tu es passé dans mon champ, on fait quoi? Chut! Non, il n'était pas comme ça. De manière que depuis qu'il est malade, nous sommes beaucoup inquiets. Ça nous gêne beaucoup parce que c'est un papa de cette manière que un enfant chasse un enfant, il va demander que tu es au quartier pour faire quoi? On m'a chassé pour le bic. Après, on va payer le bic. Après, on va payer le cahier. Vraiment, c'est ça. Ça nous ennuie beaucoup. Mais on a même tout le quartier a essayé de faire même 1 000 francs, 500 parce que le quartier 3, les enfants de quartier 3 sont quand même humains. On a essayé de donner les 1 000 francs, 2 500 pour qu'ils puissent manger même sa nourriture à l'hôpital. Mais tu sais que les voisins ne peuvent pas faire comme peut-être ta famille. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui nous sommes beaucoup inquiets. Mais quand on a dit que peut-être on va aussi vous appeler, que vous nous aidez, vous nous aidez, c'est moi ça que j'ai aussi à dire. Tous les hommes de bonne volonté, vraiment, s'ils peuvent nous aider pour notre papa, ça va beaucoup nous plaire. Chacun est en train de voir ce qui se passe. Ça nous surprend parce que depuis peut-être 3 mois aujourd'hui, l'été ici, ce n'était pas comme ça. C'était peut-être une petite machine comme ça, mais on est surpris de voir comme c'est gros comme ça. Moi, je ne l'ai même pas remarqué. Quand il est venu, je ne savais même pas que c'était lui. C'est après que vraiment, ça, on parlait là dehors, je suis sorti, mais on dit que merci, papa. Là, nous tous au quartier, on était surpris. Vraiment. C'est tout ce que nous, on a supplié la population. Toute la population de Paul Biya, que vraiment, qu'ils essayent de nous aider. Notre papa, la Fondation Chantant Bien, que vraiment, ils essayent de nous aider par notre papa. C'était donc là quelques témoignages des voisins d'Anselme Thiemazon qui réagissait sur son mal, cette tumeur qu'il a pratiquement mis sur le grabat depuis un peu plus de 6 mois, incapable de se mouvoir, de subvenir aux besoins de sa petite famille, une famille qui est également désormais à l'abri ou alors qui est pratiquement exposée à toutes les vicissitudes de ce monde. Avant de vous quitter officiellement, même si officieusement votre contribution, vos contributions continueront à être enregistrées, j'aimerais très rapidement passer la parole au délégué régional du ministère des Affaires sociales pour la région du littoral qui a choisi et qui a bien accepté notre invitation dans le cadre de cette toute première livraison de votre émission désormais traditionnelle, La main sur le cœur sur LTM Télévision. Monsieur le délégué, déjà merci d'avoir accepté l'invitation et d'être resté nuitamment avec nous pour résoudre ou tenter d'apporter la solution idoine à ce cas social. C'est moi qui remercie LTM parce que vous savez, c'est souvent l'information qui manque le plus lorsqu'on a en face de soi des situations sociales. Si j'ai un dernier mot à dire, je voudrais dire que derrière le cas de Anselme, je lance 2 ou 3 messages. Le premier message, c'est vraiment j'en appelle. Je sais que nous sommes tous des membres des communautés, je sais que nous avons nos traditions. Je lance un appel à toutes les populations que lorsque vous avez une situation qui a trait à la santé, aussi bénie soit-elle,
s'il vous plaît, orientez-vous vers les structures appropriées, ne serait-ce que pour la bonne information. Premier message. Le deuxième message, c'est la nécessité d'une réelle mobilisation familiale. Parce que je me pose la question de savoir, est-ce que c'est ma fille qui est en face de moi qui aurait dû abandonner ses études pour s'occuper de papa Anselme? Est-ce qu'il n'y avait pas des possibilités à l'intérieur de la famille pour qu'une autre personne, peut-être pas qui ne fait rien, mais qui a moins de pression que les études, puisse le faire? Donc il y a nécessité vraiment qu'on remette en place la mobilisation familiale. Et troisièmement, cela a été dit dans les témoignages, le cas de Anselme nous amène à revoir et à réellement penser la solidarité nationale qui doit exister. C'est-à-dire ce sentiment d'appartenance à une même communauté, ce sentiment de liaison étroite entre les différents membres, de telle sorte que lorsqu'un problème arrive à un des membres, même si ce n'est pas nécessairement par une aide directe, ne serait-ce que par la bonne information, par l'orientation, parce que lorsque papa Anselme souffre, vous avez vu sa communauté, c'est à ce moment-là qu'on dit « ok, on ne savait pas ». Ça veut dire qu'en réalité, si ce mécanisme était réellement ancré à nous, des situations peut-être de complexification, comme la situation d'Anselme ne se produirait pas vraiment, qu'on remette sur la sellette de la solidarité nationale qui voudrait que chacun d'entre nous lie son destin à celui de son voisin parce que sa présence à nos côtés contribue à notre épanouissement. Thank you, Mr. Delegate of Social Affairs for the Littoral Region. We know that Anselme has this mandibular tumor, but it's not the end of his life because we can count on you. I want to tell you that as we draw the curtains on this edition, we are already on 530,000 CFA francs, pledges that have come from well-meaning persons like you, people with large hearts, all of you watching us from across Africa, from across Cameroon. We want to thank you for your numerous contributions. We want to thank you for being there because we know that we can always count on you. And for those of you in similar situations or even situations that are even worse than this, remember you can contact us via our numbers 9923-2602-7309-0723 and we would have you in this set. We'll discuss your situation. We'll bring experts to tell us more about what you're going through and we'll try our own quarter to bring smiles to our faces and that will certainly be when we meet here for another edition of La Main sur le Cœur. Bernadette, on a reçu quelques promesses de dons largement enregistré, le standard n'en finit pas de sonner. Orange Money et Mobile Money également, des transferts continuent à être effectués. La terminale, ce n'est peut-être pas fini pour toi. Le rêve n'est pas totalement brisé. Bon, merci. Je remercie tous ceux qui ont promis d'aider à l'homme, de nous aider et tous les âmes de bonne volonté et tous ceux qui veulent. Et tous ceux qui veulent encore nous aider, que continuent toujours, merci. Alors, Bernadette, quel est ton rêve le plus absolu? C'est vrai que tu faisais la classe de terminale lorsque tes études ont été brutalement interrompues à la suite de la maladie de papa. Ton rêve le plus absolu, c'était d'être quoi dans la vie? En tout cas, je ne sais pas encore. Je voulais quand même faire les concours. Pour entrer dans la fonction publique, pour être comme le délégué. Je ne sais pas encore. Comme par exemple, être douanier, faire le droit. Donc, c'était les trucs que j'avais peut-être en tête pour faire. En tout cas, Dieu y pourvoira. Et la volonté et la générosité de nos téléspectateurs également te permettront d'arriver à concrétiser ce rêve en réalité. Anselme Diemasson, avec vous quand pardon, termine cette phase d'échange. Anselme, ça va mieux depuis tout à l'heure. Vous vous sentez un peu soulagé de savoir quelle TM Télévision, via La Main sur le Cœur, s'est penchée sur votre cas. Et comme ce sera désormais de tradition dans le cadre de ce programme, peut-être un dernier mot, Anselme Diemasson, à l'endroit de tous ceux qui vous regardent aujourd'hui. Oui, et pour ça, on nécessite qu'on accepte un proposé de don. Car Dieu. Je suis très content.
je félicite ceux qui ont la bonne volonté de contribution. Merci Anselme Thiemazan pour ce témoignage fort émouvant d'un malade atteint d'une tumeur qui recherche la guérison et qui réclame votre générosité. Mais avant de clore ce programme et présenter toute la mobilisation technique autour de ce programme La Main sur le Cœur, permettez que l'on revienne sur quelques promesses de dons que l'on a enregistrées tout au long de ce programme. Le docteur Isomba a réagi en nous promettant une somme de 100 000 francs CFA. On parle de 10 000 francs CFA d'un autre téléspectateur. Je prendrai quelques dons qui ont été au pif comme ça, à enregistrer. Il faut dire que le standard n'en finissait pas eh bien, de retentir. Pascal Wafou a réagi en nous offrant la somme de 10 000 francs CFA. On parle de Couffin Rameau qui a également réagi en nous offrant une promesse de don de 5 000 francs CFA. Bakassi également, la péninsule bakassienne était également au rendez-vous dans le cadre de ce programme. Un téléspectateur, nous appelons de Bakassi, a promis eh bien, la somme de 5 000 francs CFA. Newbel, qui est un quartier de la ville de Douala, et n'est pas resté insensible à ce programme, puisque de nombreux téléspectateurs ont réagi en nous promettant également des sommes d'argent. L'on parle également de Wellen, qui a promis 10 000 francs CFA. Cardil, permettez, excusez de peu si l'on écorche eh bien, votre nom, la somme de 10 000 francs CFA. Les régions de l'extrême nord du Cameroun, de Ngondjork, des téléspectateurs nous ont appelés de Sommelima pour faire la promesse. De Mélène également, la télévision LTM étant une télévision désormais mondiale, des téléspectateurs ont également réagi à travers le Tchad. L'on a reçu des promesses eh bien, de dons du Tchad, du Congo, de la République centrafricaine, pour ne citer que ces pays, également le Niger. Bouya également, à travers un téléspectateur, a promis eh bien, la somme de 25 000 francs CFA. Un autre téléspectateur de Douala a promis donc de nous offrir la somme de 15 000 francs CFA. De promesses continuent à affluer ici à LTM Télévision, situé donc au 4e étage de l'immeuble Orkmini. C'est ici à Bali, c'est à Douala au Cameroun. Des téléspectateurs qui sont venus remettre des dons. Il faudrait dire qu'en termes de promesses de dons, nous avons atteint pratiquement la barre de 500 000 francs CFA, 530 000 francs CFA de promesses donc de dons qui ont été enregistrés dans le cadre de cette première édition de La Main sur le Cœur pour permettre donc à Anselme Thiemazan de pouvoir recouvrer rapidement la santé. Pour vous rappeler également que ce programme a bénéficié de l'encadrement légal du cabinet huissier de justice intérimaire de Maître Alice Ndichou. Je voudrais très rapidement vous indiquer que l'on continue à recevoir eh bien, vos différentes contributions et tout naturellement l'équipe de La Main sur le Cœur vous tiendra au parfum des différentes étapes eh bien, de ce processus et on vous offrira, comme ce sera d'ailleurs de coutume dans le cadre de ce programme en exclusivité, eh bien, la suite qui sera donnée à la situation de santé d'Anselme. Vous l'aurez sur ses antennes dans le cadre de ce programme. Programme qui se veut donc désormais une tradition. Vous qui êtes à la maison, dans les hôpitaux, vous qui êtes à travers le Cameroun, des réfugiés ou simplement des personnes dont le besoin se veut urgent, des personnes qui souhaitent avoir une contribution eh bien, de la générosité populaire pour pouvoir subvenir à un problème de santé, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter l'équipe de La Main sur le Cœur en appelant au 73 09 07 23 99 23 26 02 33 60 04 40. Je demande à la réalisation d'afficher ces codes téléphoniques par lesquels vous pourriez saisir l'équipe de La Main sur le Cœur et vous seriez certainement le prochain cas social qui sera traité ici en direct. Et la générosité de nos téléspectateurs vont assurément permettre à ces personnes de pouvoir recouvrer la santé. Avant de clore ce programme, permettez enfin, Martha Ako, que l'on remercie toute l'équipe technique mobilisée pour l'occasion. Je pourrais citer Stéphane Binac, je pense à Richard Biqueux, je pourrais également citer le Yves Nouga, je pense également
à toute l'équipe de la rédaction mobilisée pour l'occasion. La rédactrice en chef Adrienne Obodem était d'ailleurs la tête de file de cette mobilisation de la rédaction centrale d'LTM Télévision. Bobelet assurait la réalisation de ce programme La main sur le cœur. Elle était au four et au moulin. Elle a supervisé d'ailleurs de fond en comble ce programme qu'elle a conçu, qu'elle a permis d'exister. Elle y a mis du sien pour permettre à ce que ce programme existe, pour que ce programme soit la voix des sans-voix, pour reprendre eh bien, les propos d'un célèbre écrivain africain. C'est avec ces notes d'espoir, c'est avec votre générosité débordante, c'est avec cette envie d'apporter notre contribution à l'édification d'une société plus juste et plus généreuse que nous mettons un terme à cette édition de La main sur le cœur. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité.